Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue dans cette célébration. Jésus, toujours, il nous appelle de rester auprès de lui et retrouver la joie de son Père. Et c'est nous qui manquons cette joie parce qu'on reste loin de lui. Ce matin, demandons sa grâce et son pardon qu'on retrouve le chemin. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, on célèbre cette messe demandée par Madame Hélène Kenny. Elle demande pour prier pour Monsieur Robert. En même temps, on prie pour nous autres, pour la famille et pour tous ceux et celles qui ont besoin de notre prière. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta beauté. En son temps de Pâques, où elle se relève davantage, puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait, assis dans son char, et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il, de lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus. Mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Voyez les hauts faits de Dieu, béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs : personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé n'y l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là et seul l'a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Et moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, le Christ est ressuscité et il veut être toujours avec nous. C'est pourquoi il nous montre aujourd'hui la profondeur de l'alliance entre lui et son Père. Il nous donne sa vie comme le pain du ciel et sa parole comme la lumière de notre chemin.
Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Nous rendons grâce à Dieu le Père pour que cet amour pour ses enseignements qui nous a laissés dans l'Église. Le Christ immortel et glorieux revient nous rappeler que c'est le Père qui est le centre de tout. Ceux qui l'écoutent et y croient vivent en communion avec lui, et c'est lui qui vient de Dieu, et avec celui qui l'a vu. Ainsi, la foi elle-même le dévoue de la vie éternelle. Ce n'est pas une nourriture que nous assimilons, c'est elle qui nous assimile. Jésus nous donne faim de Dieu, soif d'attendre de sa parole qui est joie et allégresse du cœur. L'Eucharistie est l'anticipation de cette gloire céleste. Rompant le même pain eucharistique qui est remède immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre toujours en Jésus-Christ, dit Saint Ignace d'Antioche. Mais ce pain vivant ne nous fera pas seulement vivre jour après jour, mais il nous donnera une vie éternelle pour l'éternité. Et il nous a donné dès à la présence pour que le monde ait la vie. Il demande une réponse plus fidèle, plus actuelle, libre et personnelle. Ceux et celles qui croient à lui trouvera la vie éternelle. Chaque fois que nous mangeons cette pain, engageons-nous aussi dans cet amour véritable. En ce moment, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour l'amour de Dieu. On efface nos erreurs, il nous montre la beauté du Seigneur et il nous demande de continuer cet amour, d'aimer les uns les autres et partager ce témoignage avec d'autres personnes. Donc aujourd'hui, demandons sa grâce et sa bénédiction pour que cet engagement et enseignement restent dans nos cœurs, en vie avec et en pratique jour après jour, on reste avec lui. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre gloire toujours
par ce mystère de Pâques, il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intérissable de joie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable et qui a enlevé le péché du monde en mourant. Il a détruit notre mort, en ressuscita, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple débaptisé rayonna de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en reprenant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendrons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, n'ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, il est notre pain de vie et il nous montre aussi le chemin de son Père. Et chaque fois qu'on appelle son Père comme notre Père, ça le réjouit et il écoute toute notre prière attentivement. Avec l'action de grâce et la confiance, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. À l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regardons pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement nos paroles et je serai guéri. Thank you.
prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous porte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans le Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.